Je vais dézoomer peut-être. I wanna be your end game. I wanna be your first string. I wanna be your A team. I wanna be your end game, end game. Big reputation, big reputation. Ooh, you and me, we got big reputations. Ah, and you heard about me. Ooh, I got some big enemies. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo routine slash update de l'état de pépère pour ceux qui ont suivi, qui ont regardé les dernières vidéos, qui me suivent sur Instagram, qui savent un petit peu que Hupercut a eu des problèmes au niveau du tendon. Donc je le répète, il a eu une micro-lésion du tendon antérieur droit. Et du coup, on lui a fait injecter des cellules souches dans le tendon, ce qui a résulté d'un plus d'un mois d'arrêt. Et là, ça fait plus d'un mois qu'on fait que du pas et on peut enfin reprendre le trot. Du coup, là, aujourd'hui, c'est notre deuxième jour de trot. J'ai droit qu'à 2 minutes, mais vu que c'est un petit peu sportif, je me suis dit que ce serait marrant de vous montrer ça et en même temps de vous dire que tout va bien. Il a vu le veto il y a 2 jours. Donc je suis super contente parce que le veto a été vraiment impressionné en fait de l'état du tendon, c'est-à-dire qu'il s'attendait pas à des résultats aussi significatifs et aussi rapides, donc on va même raccourcir en fait le temps de rééducation tellement ça va bien. Donc bon, vous inquiétez pas, je vais tout faire dans les règles de l'art. Là du coup au programme, on a le droit à 2 minutes de trot par jour plus 40 minutes de pas. Et en fait, tous les 3 jours, je dois rajouter 2 minutes de trot. Une fois que j'arrive à 20 minutes de trot, j'ai le droit de galoper 3 minutes pendant 8 jours. Donc j'ai le droit de faire 20 minutes de trot, ensuite de galoper 3 minutes, et ça pendant 8 jours. Et ensuite, on pourra reprendre le travail normal sur le plat. Donc trop bien, et puis le saut va suivre progressivement après. Enfin, je suis pas hyper pressée non plus, je veux que ça se passe bien. Mais trop cool, donc d'ici à 1 mois, on va pouvoir reprendre les cours de plat et retravailler vraiment, enfin redresser pour de vrai. Donc c'est trop bien. Du coup, voilà. Je voulais vous montrer un petit peu notre routine du moment, vous dire tout ça et surtout vous montrer un petit peu comment il se comportait au trot, tout simplement parce qu'il est assez excité, mais bon, c'est pas grave, on va s'amuser. Je vous laisse avec la suite des images. Bye.
petite séance du jour terminée. Vous avez pu le voir, ça n'a pas été si sportif que ça, juste un petit dérapage, donc plutôt cool. Par contre, je voulais quand même vous préciser, vous inquiétez pas si vous le trouvez un peu irrégulier, c'est entre guillemets normal parce qu'il n'a pas trotté depuis un mois, qu'il y a aussi son dos qui n'est plus travaillé, ses postérieurs aussi qui se bloquent un petit peu. Donc voilà, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Je voulais juste le préciser et nous on va dépréparer et puis ça va être l'heure de manger mon petit chat. On fait des bisous. Bisous. Fais des bisous. Allez, fais des bisous. Allez. Bon, pas les bisous.